Parfait, 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 parfait. Merci. Merci de nous avoir rejoints pour un conseil à un horaire un peu particulier et avec une annonce un peu tardive, veuillez m'en excuser. C'est une décision... bon, voilà. Bref, on ne va pas se cacher. Il y a quelques personnes qui ont réagi par rapport au fait qu'il y avait un match ce soir. Et puis, moi, je m'étais dit avant, bon, allez, on ne change rien, c'est comme ça, bon, ça tombe comme ça. Et puis, bon, après deux ou trois interventions, je me suis dit, bon, allez, on propose de faire à 18h. On verra. Après, ceux que ça intéresse pas, ben, ils rentreront chez eux tranquillement. Ceux que ça intéresse, on pourra appuyer sur un bouton. Et on a prévu, voilà, quelques petites agapes. Mais ça, c'était prévu, quelle qu'en soit l'heure du conseil. On s'était dit juste avant Noël, on n'a pas l'habitude, après un conseil, on repart comme ça les uns les autres. Et on avait prévu de prendre un pot ensemble. Donc, ce qui était prévu après le conseil de 18h30, après le conseil de 20h30, se fera après le conseil de 18h, autour des 20h, si on a terminé notre conseil. Donc, voilà les explications transparentes que je vous dois. Je sais que ça en fait réagir quelques-uns. C'est jamais simple de faire plaisir à tout le monde, mais la décision a été prise comme celle-là. Voilà. Bernard Morillo est présent. Nathalie Prieur, elle est absente pour raison. Elle était à une réunion à la communauté d'Aglo. Donc, voilà, on s'était partagé les choses. Et donc, elle m'a donné pouvoir. Stéphane Lambert. Présent. Monique Guionnet. Présent. Gérard Alain. Présent. Christine Girodino. Présente. Roger Masson. Présent. Aurélie Guitny. Présent. Constant Chauvet. Présent. Yvan Théry. Présent. Isabelle Nicolas. Présent. Catherine Elgouache. Présent. Olivier Guillette. Présent. Nathalie Bossard. Yannick Lebihan est excusé et a donné pouvoir à Gérard Alain, Laurence Renaudinho, Anthony Jonâtre. Oui, alors il vient de partir. Il était là et il vient de nous informer qu'il a été appelé, il est parti en intervention. Voilà, ça fait partie des difficultés d'être en garde et d'être pompier. Samuel Berthelot est absent. Thierry Ricci. Delphine Chauvet. David Binet s'est excusé et a donné pouvoir à Aurélie Guitny, Mariette Loira, Christophe Belin. Présent. David Rimbert m'a dit qu'il aurait quelques minutes de retard, donc il va nous rejoindre tout de suite. Guy-Luc Fradin, présent. Fabienne Merceron, s'est excusé et a donné pouvoir à Sandra Ogiras. Frédéric Héroux, absent. Sandra Ogiras, Bruno Clavier. Ok, merci. Est-ce que sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques ? Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Donc ce compte-rendu est approuvé. Et je vous propose d'aborder l'ordre du jour. Là, Patrick me tape sur les doigts et me dit « secrétaire de séance ». J'allais oublier. Christine, c'est pour tes volontaires, pour être secrétaire de séance. Comme on a ravancé l'horaire dernièrement, on avait programmé une présentation de l'Atlas de la biodiversité. C'était juste une présentation du travail en cours. On le fera au conseil du mois de janvier. Et donc, les deux points qui suivent concernent l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. On vous a envoyé les éléments. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder avec l'invitation en pièce annexe. En fait, il y a un arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs EPCI,
Et avant, on était en M14. Et on va passer en M57 au 1er janvier 2023. Ce qui explique qu'on doit, en amont, délibérer sur un certain nombre de choses qui me semblent, qui sont un peu obscures pour moi, je dois vous l'avouer, mais qui permettent de passer de la... M14 à la M57. La délibération du Conseil municipal du 9 mai 2022 adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 par anticipation au 1er janvier 2023, vu le règlement budgétaire et financier joint en annexe, considérant qu'à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de la M57, il convient d'adopter un règlement budgétaire et financier fixant notamment les règles de gestion applicables aux crédits pluriannuels. Il vous est proposé d'adopter ce règlement budgétaire et financier tel que joint en annexe. Alors bon, je regardais ce règlement, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé, je veux bien qu'on en discute, mais c'est quand même d'un niveau administratif. Il y a quelques trucs qui changent par rapport à la M14 avant, mais bon, moi je vous propose de l'adopter. Si vous en êtes d'accord, hein, c'est bon, toutes les collectivités le font en même temps. Il y a quelques trucs qui changent par rapport à la procédure avant. Patrick en parlerait plus savamment que moi, je dois l'avouer. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure sur les aspects d'amortissement, entre autres, il y a quelques éléments à reprendre. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous avez des questions, on peut relire le document que vous avez eu en annexe. Mais si vous n'aviez pas de questions... Enfin, je crois, honnêtement, Patrick, toi qui suis ça, il n'y a pas de changement fondamental. C'est des adaptations de la nomenclature comptable qu'on doit appliquer. Voilà, on va le dire comme ça. Ça s'impose à nous, non? Ah ben oui. Il y a quelques collectivités qui sont démarrées avant le 1er janvier 2023. Et aujourd'hui, toutes les collectivités doivent l'appliquer à partir du 1er janvier 2023. Non. Non, c'est pas ça. C'est 2024, mais nous... Ah oui, c'est ça. Et nous, on avait été... On s'était engagé pour 2023. On s'était engagé pour 2023 parce que par rapport aux finances publiques et tout ça, en fait, ça doit compliquer un peu la tâche des agents. Et ils le font progressivement. Et donc, nous, ils nous ont proposé de le faire en avance au 1er janvier 2023, alors que la loi dit que c'est le 1er janvier 2024. Allez, je crois qu'à l'aglo, on y est déjà passé. Donc, il y a eu, ça s'est fait sur plusieurs années, la transition. Parce que je pense qu'on y est passé l'année dernière, à l'aglo, à cette nouvelle procédure. Y a-t-il des questions ou des observations? Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Donc, merci pour l'adoption de ce nouveau règlement budgétaire et financier. En lien à ça, le point suivant, c'est la durée d'amortissement des biens au plan comptable M57. Donc, vu l'arrêté du 21 décembre 2016, applicable aux collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 février 1997, 2009, 2011, 2014, 2015, parce qu'on a, sur les durées d'amortissement, on a modifié quelquefois les durées d'amortissement. Donc c'est ce qui correspond à ces différentes dates de décision de Conseil municipal en 2016, en 2021, fixant les durées d'amortissement des biens en M14 de la collectivité. Considérant qu'à partir du 1er janvier 2023, dans le cadre de la M57, il convient de fixer les durées d'amortissement des immobilisations, considérant qu'il est décidé un aménagement de la règle prorata Je vais regarder si c'était David qui a annoncé de ces nouvelles. Non, il y a toujours quelques minutes de retard. Considérant qu'il est décidé un aménagement de la règle prorata temporis pour les biens de faible valeur et pour l'attribution de compensation d'investissement. Il est proposé de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter du 1er janvier dans le cadre de la mise en place de l'instruction budgétaire et comptable M57 et d'adopter les durées d'amortissement à compter du 1er janvier conformément au tableau ci-dessous.
Donc vous avez les différents sujets avec des durées d'amortissement qui vous sont proposées, qui vont de 1 à 30 ans, suivant les différents choses abordées. Alors, c'est à la fois ce qui nous est proposé dans la M57, et je pense que ça doit aussi coller par rapport à ce qu'on faisait avant, pour essayer d'avoir une certaine cohérence. Donc, je veux bien vous... Enfin, je pense pas que c'est intérêt de relire toutes les durées d'amortissement. Enfin, bon. Les frais d'études, c'est... Suivant les frais d'études, c'est entre 5 et 10 ans. Les subventions d'équipement, mais que c'est des subventions d'équipement que l'on verse. C'est pas des subventions que l'on reçoit. Voilà, ça va entre 1 et 30 ans. Vous avez vu la marge importante. Les concessions, brevets, licences et droits similaires, 2 ans. Les agencements et aménagements de terrain, 10 ans. Les constructions, entre 10 et 20 ans d'amortissement. Les installations plus ou moins complexes, 5 ans. Matériel, outillage technique... Voilà. Bonjour David. Et puis les autres immobilisations corporelles, vous avez vu, entre 3 et 10 ans, suivant les choix, les photocopieurs, les matériels de bureau, enfin bon. C'est ce qui vous est proposé en durée d'amortissement. Il est également proposé d'adopter l'application de la méthode de l'amortissement linéaire au prorata temporis à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2022 à l'exclusion des biens de faible valeur, montant unitaire inférieur à 1 000 euros TTC, et l'attribution de compensation d'investissement, qui reste amortie sans prorata temporis. Donc ce qui vous est proposé, c'est de délibérer ces différentes durées et modalités d'amortissement. Je suppose que ça n'amène pas de réaction particulière. Oui, non, mais je... Voilà. Il faut le passer. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous, en tant qu'élus, de voir toutes les subtilités de ce genre de décision. Mais on doit le passer en délibération du conseil municipal. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Donc, on amortira tel que prévu dans cette délibération les différents sujets qui concernent nos différents postes budgétaires. Le point numéro 4 concerne l'ouverture de crédit pour l'investissement. On l'a déjà pris en 2021, cette décision-là. Et les années antérieures, réglementairement, à compter du 1er janvier 2023, et ce jusqu'au vote des budgets, nous on votera notre budget au mois de fin mars 2023, la commune ne peut procéder au paiement des dépenses d'investissement sans autorisation expresse du conseil municipal, à l'exception des restes à réaliser. Pour permettre aux collectivités de disposer de crédits d'investissement disponibles dès l'ouverture de l'exercice et ainsi procéder au règlement de leurs prestataires, l'article du Code général des collectivités territoriales autorise les organes délibérants à accorder à leur exécutif la faculté d'engager, de liquider et de mandater jusqu'à l'adoption du budget primitif les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Aussi, afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon fonctionnement des services, il convient, en attendant le vote des budgets primitifs de mars 2023, budget principal et budget annexe d'ailleurs, d'ouvrir des crédits d'investissement dans une proportion des dépenses d'investissement inscrites en 2022. Il nous est demandé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture de crédits d'investissement à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2022 au titre des budgets principaux et des budgets annexes. Ça aussi, bon, c'est ce qu'on prend tous les ans, mais on nous demande de la reprendre tous les ans, cette délibération. Ça ne veut pas dire que, bon, après, ça laisse toute la liberté au budget de 2023, nous, de voter ce budget, mais c'est au moins de permettre aux services de fonctionner jusqu'à fin mars 2023, parce que s'il y a quelques investissements à faire pour le bon fonctionnement des services,
On ne peut pas le faire si on ne prend pas cette délibération. La trésorerie n'accepterait pas cette dépense sur notre budget. Le montant... je me retourne devant mon conseiller principal. Le montant, c'est autour de 4 millions d'euros, l'investissement... entre 3,5 millions et 4 millions par an. Donc 25% de cette somme-là. Mais bon, honnêtement, ça serait intéressant de savoir de combien on a utilisé les autres années. On est bien inférieur aux 25%. La loi permet de faire 25%. C'est ce qu'on vous propose. C'est ce qu'on a pris d'ailleurs à l'agglo il y a 15 jours en conseil communautaire. On a exactement pris la même délibération et les autres communes font la même délibération. Après, on n'utilisera peut-être que 5 ou 10% de cette somme-là. Mais la loi permet d'aller à 25%, on vous permet de délibérer dans ces éléments-là. Mais c'est vrai que la question, je ne suis pas capable de répondre à combien on a utilisé les autres années, mais je pense que Patrick, on n'a pas dû être sur des sommes importantes. Parce que les restes à réaliser ne rentrent pas là-dedans. Oui, c'est-à-dire que les restes, ce qu'on avait voté en investissement en 2022, s'il y a des restes à réaliser, on pourra les dépenser malgré tout. Ça ne rentre pas là-dedans, ça c'est ce qui n'était pas prévu. Mais si maintenant on n'avait pas prévu, enfin bon, ça m'étonnerait que d'ici le mois de mars ça arrive... Mais qu'une tondeuse tombe en panne et qu'il faut la remplacer parce qu'on peut plus tendre. Oui, c'est plutôt une chaudière. T'as raison, d'ici le mois de mars qu'une tondeuse, parce que je suis pas bien adapté dans mon exemple au niveau de la saison. Mais une chaudière tombe en panne et il faut la remplacer. On peut la remplacer en ayant ça. Sinon, voilà, c'est tout. Oui, mais tout à fait. Y a-t-il d'autres observations des oppositions ? Ou des abstentions. Merci. Alors, le sujet qui concerne encore le budget, c'est le rattachement des charges et des produits à l'exercice pour les budgets annexes. J'expose donc que la commune est concernée par l'obligation de rattachement pour tous les budgets annexes, ce qui a pour finalité la production de résultats budgétaires sincères. C'est ce qu'on peut espérer à minima, quand même. Pour les dépenses de fonctionnement, il s'agit des dépenses engagées avec services faits et non mandatés au 31 décembre. Pour les produits, il s'agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre. Le caractère obligatoire du rattachement des charges et produits à l'exercice peut cependant faire l'objet d'aménagements lorsque les charges et produits à rattacher ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur les résultats de l'exercice et leur sincérité. Toutefois, il importe de conserver chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des méthodes comptables. Donc je propose de ne pas procéder au rattachement des charges et produits récurrents en ce qui concerne les budgets locatifs communaux. Le budget annexe service public local de l'électricité et le budget annexe atelier et commerce relais. Pourquoi cela ? Parce que, en fait, c'est des budgets qui ne sont pas conséquents, nous, au niveau de la commune. Et puis, ça complique les choses de faire le rattachement. Parce que, par exemple, si on a une facture, au mois de septembre, il faut la répartir sur l'année. Enfin bon, c'est un peu compliqué de faire le rattachement. Ce qu'on vous propose, comme les autres années d'ailleurs, c'est ne pas procéder au rattachement pour les budgets annexes. Voilà. Bon, ça n'enlève rien à la transparence des comptes, mais ça simplifie les choses au niveau du service gestion... des finances à la commune. Pas d'observation particulière. Pas d'objection, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Dans les finances, une subvention exceptionnelle pour projet scolaire. Peut-être que Gérard, tu peux nous présenter ce point-là. Par délibération, on date du 28 février 2022, sur proposition des commissions finances, sport, culture et scolaire, le conseil municipal a attribué des subventions pour l'année civile 2022.
Le bureau principal propose d'allouer la subvention exceptionnelle suivante, 222,40 € à l'école Maurice Pigeon, en subvention de fonctionnement. En effet, dans le cadre d'un projet sur le bien-être à l'école, une classe supplémentaire s'est ajoutée à la démarche. Cela nécessite un complément de subvention pour 20 élèves avec un montant de 11,12 € par élève, soit un montant de 222,40 €. Oui. Voilà. Donc, c'est une action qui va se dérouler d'ici la fin de l'année, sans doute. C'est pour ça oui, c'est ça. Non, qui va être oui, avant la fin de l'exercice. Oui, oui avant la fin de l'exercice. Bon, c'est une adaptation des remarques, pas de remarques particulières. De toute façon, le montant des 11,12 €, c'est le montant qui avait été alloué par élève dans oui, oui. toutes les écoles, oui. donc on a simplement oui, c'est le même montant. Ce montant. Ouais. C'est ça, on l'a adapté au nombre d'élèves, en fait. On l'a adapté au nombre d'élèves. Pas d'opposition, pas d'abstention. Moi, je signale juste que j'ai le mandat de Nathalie Priour qui m'a demandé de ne pas prendre part, de pas prendre part au vote pour elle sur ce sujet-là parce qu'elle est concernée en tant qu'enseignante par rapport à ce projet-là. Donc voilà, on va le signaler que... attribution de compensation définitive. On t'a pas voté. Si, je t'ai pas fait voter. Si. Ben, je pense que si, parce que j'ai précisé. D'accord. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui. Si, je pense avoir fait voter, mais vraiment que j'ai fait une erreur. C'est possible. Les compensations définitives 2022 avec nos relations avec Pornic Aglo Pays de Ré. Conformément aux dispositions de l'article du Code général des impôts, la commission locale d'évaluation des charges transférées, qui s'appelle la CLECT, est chargé d'évaluer les montants de charges transférées entre les communes et le PCI afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation. C'est ce dont il est question dans cette délibération versée par la communauté à ses communes membres. Plus le PCI, enfin pour nous, Pornic Aglo Pays de Ré, prend de compétences, plus on doit reverser les moyens à l'EPCI pour exercer ses compétences. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Alors, vous allez voir ce qui bouge pour cette année. Par délibération du 25 novembre 2021, le Conseil communautaire a arrêté le montant des attributions de compensation provisoires pour 2022. Ces attributions de compensation provisoires doivent être actualisées au regard des comptes administratifs 2021. Au regard de ces éléments, la CLEC du 17 novembre 2022 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres au titre de l'année 2022. Ces attributions de compensation prennent en compte les évolutions suivantes. Dans la partie fixe des attributions de compensation en fonctionnement, il n'y a pas de transfert de compétences au 1er janvier 2022. Il n'y a pas eu de transfert de compétences au 1er janvier 2022 nécessitant un transfert de charges. Et on avait mis en place il y a 5 ans ou il y a 6 ans maintenant un système de bonus-malus appliqué lors du transfert des compétences des zones d'activité économique. Suivant que les zones étaient bien entretenues ou moins entretenues, on avait mis un système comme ça. Dans le rapport de la CLEC de 2017, adopté le 29 juin 2017, a été actée la mise en place de ce bonus-malus appliqué afin de prendre en compte l'état des zones transférées et neutraliser la disparité entre les communes en la matière. Ces bonus-malus ont été instaurés pour une durée de 5 ans et donc ils s'arrêtent en 2022. Il n'y a plus de bonus-malus pour ce qu'on a à délibérer pour 2022. Dans la partie variable des attributions de compensation en fonctionnement, sont désormais intégrés les cofinancements des services communs, à savoir un service mutualisé, recherche de financement et assistance au montage de projets. On a une personne à l'aglo qui est financée en partie, un petit bout par chaque commune, pour ce travail-là, d'ailleurs, qui rend bien service, je pense, au niveau des différentes communes. Il y a un service mutualisé ressources humaines qui existe entre quelques communes, on va en parler tout à l'heure, toutes les communes n'y sont pas, Sainte-Pazanne n'est pas concernée dans ce service mutualisé ressources humaines. Il y a un service mutualisé direction des systèmes d'information
Il y a un service mutualisé conseiller numérique, et là, nous, on est concernés. Hein. Il y a un conseiller numérique qui est partagé entre les communes et l'agglo et qui vient faire des permanences à Sainte-Pazanne toutes les semaines, une demi-journée toutes les semaines, pour répondre aux interrogations de nos citoyens. Et un service mutualisé prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût réel des services communs ne pourra être arrêté qu'à la fin de l'exercice 2022 et sera donc régularisé sur les attributions de compensation définitives pour 2023. On a aussi les parties fixes des attributions de compensation en investissement. Il n'y a pas eu de transfert de compétences, comme on le disait tout à l'heure, en 2022, nécessitant un transfert de charges dans la partie investissement. Par contre, dans la partie variable des attributions de compensation en investissement, est pris en compte des investissements pour le service de prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût des investissements sera arrêté à la fin de l'exercice 2022, régularisé sur les attributions 2023. Ça, c'est comme pour le fonctionnement. À cela s'ajoute pour 2022 un investissement spécifique mutualisé entre la ville de Pornic et Pornic Aglo de déploiement d'une fibre noire dont le montant sera réparti entre les deux collectivités au prorata du linéaire de fibre. Après approbation du rapport CLEC par délibération concordante du Conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation des communes seront réajustées en fin d'année 2022 au regard des montants définitifs arrêtés par la CLEC, tels que définis dans le tableau ci-dessous. Donc vous avez les attributions prévisionnelles pour 2022 qu'on avait votées il y a un an, le 25 novembre 2021, pour chacune des communes. Alors vous voyez des différences importantes, mais qui sont dues aussi à notre histoire différente entre les communes de Pornic et les communes de Coeur, Pays de Ray. Le fait que nous, on était passé à la taxe professionnelle unique plus rapidement. Enfin bon, il y a des différences qui, moi, m'ont fait me poser beaucoup de questions par rapport aux villes de Pornic. Mais voilà, vous avez déjà eu ces chiffres-là en 2021. Vous voyez que, donc, par rapport au prévisionnel qu'on avait voté il y a un an, on réajuste le chiffre définitif pour 2022, qui bouge très peu, suivant les communes, qui bouge pas du tout pour Sainte-Pazanne. On est toujours à 337-148. Par contre, il y a quelques communes qui bougent un petit peu, parce qu'il y a des services mutualisés. Ça bouge un petit peu à Pornic, ça baisse un petit peu. Voilà. Mais il y a très peu de changements. Entre le prévisionnel de 2021 et le définitif, tenant compte des comptes administratifs de 2021 pour 2022. Ça, c'est pour le fonctionnement. Et en investissement, donc pour le fonctionnement, c'est ce que nous verse en attribution de compensation l'EPCI aux communes. En investissement, à l'inverse, c'est ce que versent les communes à l'EPCI. C'est pour ça que c'est marqué moins. Donc, en investissement dans les attributions de compensation prévisionnelles pour 2021, il y a une évolution pour 2022, essentiellement sur la ville de Pornic avec l'histoire de la fibre noire. On m'a expliqué ce que c'était, mais je serai toujours capable de vous le répéter. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est le passage d'une... Oui, c'est ça. C'est un prévisionnel de raccordement. C'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc, Sainte-Pazanne ne bouge pas entre le prévisionnel et le définitif pour 2021. Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus exposés, le conseil municipal est invité à valider le rapport 2022 de la CLEC de la communauté d'agglomération Pornic Aglo Pays de Ray. Y a-t-il des observations, des questionnements? On ne va pas revenir sur toute l'histoire du calcul de ces attributions de compensation. Je peux vous le dire que ça fait l'objet de beaucoup de discussions entre nos communes. Mais il y a des règles qui ont été respectées au moment du rapprochement des deux collectivités. Donc, c'est des choses qui ont été discutées en amont, qui s'imposent à nous, quelque part. Après, vous avez vu que les évolutions sont à la marge, que Sainte-Pazanne n'est pas concerné par les évolutions, que les définitifs sont au même niveau que les prévisionnels. Donc, dans notre budget 2000,
22, quand il va s'arrêter définitivement, on reprendra ces chiffres-là. Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions? Merci. Le point suivant concerne la convention de groupement de commandes entretien de la voirie communale avec l'attribution de marché. L'autre fois, on avait délibéré sur le principe, et là, c'est sur pour lancer le marché, je crois. Et là, c'est l'attribution de marché. Donc, je demande à Constant, qui a participé aux différentes réunions d'attribution, de nous en faire la présentation. Donc, les communes de Saint-Pazanne, Saint-Hilaire-Chaléon, Port-Saint-Pierre, Ronche, Chèques-Saint-Ray et Ville-Navarais ont souhaité se regrouper en vue de rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité économique des travaux d'entretien de la voirie communale. À noter qu'il y a une commune de moins que quand on en a délibéré au dernier conseil, parce que la commune de Vue n'a pas souhaité repartir avec nous. Au départ, ils nous avaient dit oui, et puis quand ils ont passé leur dernier conseil, ça n'a pas passé, donc ils se sont retirés. Ainsi, il a été constitué un groupement de commandes pour la passation d'un marché à bon de commande pour les travaux d'entretien de la voirie communale. La commune de Saint-Pazanne a été désignée coordonnatrice du groupement. Les montants décidés par chaque commune sont les suivants. Donc, chèque sans ray, soit je vous donne les maxi, c'est pour les 3 ans, 15 000 euros. Port-Saint-Père, 30 000. Rouence, 46 000. Saint-Hilaire-de-Chaléon, 62 000. Saint-Pazanne, 128 000. Villeneuve, 180 000. Ce qui nous faisait un total de 461 000 euros. Ça, c'est hors taxe. Oui, par an. Le montant estimatif global est de 461 000 euros hors taxe par an, soit 1 380 000 euros hors taxe pour les 3 ans de la durée totale du marché. Le montant total est inférieur à 5 382 hors taxe, ou si le présent marché a été passé sous la forme adaptée et est soumis aux dispositions des articles du Code de la commande publique. L'avis d'appel à la candidature a été diffusé le 16 novembre 2022 sur le site de la centraledesmarchés.com. Il a également été publié le 18 novembre 2022 dans le journal d'annonce légale Ouest-France. La date limite de réception des candidatures était fixée au 7 décembre 12h. 9 retraits ont été effectués sur la plateforme de dématérialisation. 5 entreprises vont déposer un dossier. L'ouverture des plis a eu lieu le vendredi 9 décembre 2022 à 10h. Puis les offres ont été analysées par moi-même, adjoint de Saint-Pazanne, coordonnateur du groupement, Bruno Guitny, adjoint de Villeneuve. Bruno Guitny, donc lui, c'est pour Chex, l'adjoint de... c'est Yves Blanchard de Villeneuve, après, quand on a analysé, mais c'est le vendredi, donc c'est pas Bruno Guitny, il faut rectifier, c'est Yves Blanchard. De Villeneuve, et M. Maurice Robin, adjoint de Saint-Hilaire-de-Chaléon. La commission rapport du groupement de commandes s'est réunie le 12 décembre 2022 pour procéder à l'analyse des offres. L'analyse a été réalisée selon les critères énoncés par l'article 6 du règlement de la consultation, à savoir le prix des prestations 40%, sous-critères sur le prix global inscrit au détail quantitatif estimatif 50%, sous-critères sur les prix inscrits au bordereau des prix unitaires 50%, et la valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire justificatif, 60%. Donc vous avez les notes des 5 entreprises, Colas Gadet, Eurovia, Mabilo, Breton Mécharrier et Baudry. Donc la commission MAPA du groupement de commandes pour les travaux d'entretien de la voirie communale propose d'attribuer le marché à bon de commande d'entretien de la voirie communale à l'entreprise Colas Gadet. C'est qui avait le marché avant ? Comment ? Avant les 3 années. Avant, on avait 2 marchés. On avait fait 2 lots. Oui, c'est-à-dire que Saint-Pazanne et Saint-Hilaire-de-Chaléon étaient avec Colas Gadet. Et Port-Saint-Père, Vue, Rouens et Chex étaient sur Charrier. D'accord. Bretomé Charrier. Et là, il avait été décidé de faire Il avait été décidé de faire qu'un lot pour que. Parce que, entre nous, Saint-Pazanne et Saint-Hilaire, ça faisait le plus gros lot que les 4 autres communes réunies. Mmh. Et il y avait des petites différences de prix. Donc on se disait, comme ça, les petites communes bénéficient du même tarif que les plus grosses communes. Ça permet d'être plus juste.
Donc, ça, quand on avait fait notre réunion avant, les 6 communes, on avait décidé ça, de faire un seul lot plutôt. Pourquoi, vu que ne s'est pas associé Vu, ils n'ont pas souhaité, on n'a pas eu de détails dessus. Au départ, les élus nous avaient dit oui quand ils sont venus à la première réunion qu'on avait fait à Saint-Hyacinthe-Chaléon. Et puis, quand ils sont passés au conseil municipal, ça n'a pas marché. Bon. C'est ça. Bah, sans doute. Que... Bon, et bon, ils n'avaient qu'un petit montant aussi. Hein. Ils étaient je pense comme, qu'ils ont, ils ont un tout petit montant. Ils ont un tout petit montant. Ils ont un petit montant, puis ils refont la totalité de la traversée de leur bourg. Là, en ce moment, sur des travaux. Oui, mais c'est pas eux. C'est le département qui paye. Là. Oui, oui, mais ça, c'est le département. Mais là, c'est les airs. C'est l'entretien des routes communales, là, quand même. Bon, mais ils n'ont pas souhaité. On verra dans 3 ans. Hein. Peut-être. C'est vrai qu'il y a des gros travaux, il a raison Gérard, qui sont arrêtés dans la commune de Vue, mais c'est la route départementale. Donc c'est le département qui s'était engagé à sécuriser la traversée de la commune de Vue avec les différents événements malheureux qu'il y avait eu dans la commune de Vue. Là, on est plus sur des routes communales. Je pense qu'il y avait d'une part... un petit budget qui a été mis par la commune de Vue, on pourrait penser que c'est eux les plus intéressés. Le conseil en a décidé autrement. Bon, pour quelle raison, moi, je n'ai pas le retour exact non plus. L'important, c'est qu'on puisse continuer. Ouais. Alors, il faut quand même dire que, pour la première année, Villeneuve nous rejoint. C'est la plus grosse somme d'engagement. Donc, parce que Villeneuve, c'est 3 communes réunies. Hein, enfin, 3, historiquement, c'est Bourgneuf, Saint-Cyr, Fresnay. Donc, ils ont une dimension géographique plus importante que nous. Oui, plus importante. En termes de kilomètres de voirie. Et Villeneuve nous rejoint dans ce groupement et aide à faire un poids économique dans la négociation. Ben, si ça avait été une grosse commune qui aurait dit non après que l'appel d'offres était lancé, là, sans doute, on aurait été obligé de relancer le marché avec un autre... que là, on a contacté les entreprises, comme c'était un petit budget, ça ne gêne pas. Ça ne gênait pas. Voilà. Y a-t-il d'autres observations sur ce marché, donc, à partir du 1er janvier 2023, pour 3 ans? De retenir l'entreprise Colas Gadet, y a-t-il des oppositions ou des absences? Alors c'est un an renouvelable 2 fois. Oui. Si demain, enfin au bout d'une année de service, mettons au Saint-Hilaire, ne se trouve pas satisfait, il peut lui-même arrêter son marché sans que les autres communes soient impactées. Ça marche 3 ans si on ne dit rien, mais on peut s'arrêter en cours de route. Il faut relancer 3 mois avant la fin de l'année, comme quoi qu'on poursuit. D'accord. Et si on veut arrêter, ben c'est pareil, il faut le notifier 3 mois. D'accord. Oui. Ça évitera de relancer un marché en tant que tel si on continue. Oui. Voilà. OK, merci. Convention de servitude entre la commune et Enedis. Dans le cadre de l'aménagement de la future zone commerciale Beau Soleil, des travaux sont envisagés. Il s'agit de la pose d'un câble électrique sur une parcelle appartenant à la commune. Donc il faut une convention. Donc vous avez de projeter au tableau ce que sera le futur rond-point. Alors on n'a pas trop les alentours. Donc il y a la route de Port-Saint-Père, la route de Nantes en plein milieu. Et il y aura le rond-point que vous voyez en vert clair. C'est la destination du rond-point. Voilà, ce rond-point qui sera là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un câble électrique et un boîtier électrique, là, avec un poteau qui, pour un départ de ligne, qui traverse ce rond-point avec un poteau en plein milieu du rond-point. Donc, dans la préparation avec le département pour le positionnement de ce rond-point, qui sera juste, non pas au tourne à gauche actuel, mais juste après, à l'entrée du funérarium, ça correspond à gauche, le funérarium est là. Et donc, il faut déplacer cette ligne, et la ligne, c'est le trait jaune que vous voyez là, pour traverser la route après, mais nous, on ne se positionne que sur le trait jaune. Il faut une convention avec la commune, parce que ce terrain, il est communal, pour autoriser Enedis à pouvoir traverser, rejoindre la route et passer à côté du futur rond-point. Donc une convention de servitude avec Enedis pour la pose d'un câble électrique sur la parcelle cadastrée AD 99
situé au lieu-dit Les Fraîches. La convention de servitude est signée entre la société Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance, dont le siège social est à Tours. Et Tours Enedis, 34 place des Carolles à Paris, la Défense, représentée par le directeur régional Pays de Loire, situé à Nantes, dûment habilité à cet effet. Et la commune de Sainte-Pazanne, représentée par moi-même, pour signer cette convention. La convention de servitude concerne les parcelles cadastrées AD 99, telles que je venais de vous le dire. Après avoir pris connaissance du traité des ouvrages mentionnés ci-dessous, sur la parcelle ci-dessus désignée, le propriétaire commune de Sainte-Pazanne reconnaît dans cette convention à Enedis que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants, établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large une canalisation souterraine sur une longueur d'environ 35 mètres, ainsi que ses accessoires, établir si besoin des bornes de repérage sans coffret, effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessoussage de toute plantation, branche ou arbre qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gêne leur pose ou pourrait, par leur mouvement, chute ou croissance, occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'Enedis pourra confier ses travaux au propriétaire si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins de services publics de la distribution d'électricité. Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Enedis veillera à laisser les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant l'intervention. Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. Il est proposé d'approuver la constitution d'une servitude entre Enedis et la commune de Sainte-Pazanne, permettant ainsi la réalisation de ces travaux. Et donc, c'est ce qui vous est proposé dans la délibération à prendre. Y a-t-il des observations ? Des oppositions ou des abstentions. Merci. Et la délibération d'après, c'est aussi une convention que l'on doit passer avec Atlantico concernant la future maison de jeunes qui va démarrer bientôt sur le terrain stabilisé, tout près des Ombrières. Je vais demander à Stéphane de nous présenter cette délibération. Dans le cadre de la réalisation de travaux d'alimentation en eau potable destinés à la future maison des jeunes, à savoir la pose de canalisation d'eau potable sur une parcelle appartenant à la commune, il convient de constituer une convention de servitude avec Atlantique Eau, responsable du service public de transport et de distribution de l'eau potable. La convention de servitude est signée entre Atlantique Eau, dont le siège administratif est situé 7 chemin du pressoir Chenet, 4405 Nantes, CEDEX, représenté par son président en exercice, M. Jean-Michel Bras, dûment habilité à cet effet par la délibération du comité syndical en date du 25 septembre 2020, désigné ci-après la collectivité. Et la commune de Sainte-Pazanne, représentée par M. Bernard Morillo, maire de la commune, désigné le co-contractant. Objectif de la servitude. Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, le propriétaire, commune de Sainte-Pazanne, représenté par M. Bernard Morillo, maire de la commune, concède à Atlantique Eau une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AM numéro 25 au lieu-dit Avenue des Sports, lui appartenant en pleine propriété. On peut peut-être présenter où c'est, puis tu finiras la présentation, parce que, en fait, vous avez la cantine scolaire qui est Avenue des Sports, hein, vous voyez, on est en fait tout près de la salle escale. Hein. La cantine scolaire est là. C'est ce qu'il y a en pointillé. C'est vrai que le plan que nous avons envoyé à Atlantico n'est pas... Voilà. Et en dessous, c'est la future maison des jeunes qui est sur le terrain, en bas du terrain stabilisé, où il y a les ombrières plus haut. Et donc, il y a tout l'espace vert de la salle escale à votre gauche, là, voilà, où il y a les grands arbres et les jeux de voilà, sur l'espace vert de la salle escale dorée. Donc, la future maison des jeunes qui va démarrer est là. Et l'objet de la convention que Stéphane est en train de préciser, c'est de partir de l'eau potable qui arrive devant l'école, en fait, hein, voilà, de contourner la,
sur la rue, voilà, ou sur le trottoir, je ne sais pas trop exactement où, mais enfin sur l'espace public, de contourner le restaurant scolaire pour aller jusqu'au futur bâtiment de la maison des jeunes. Le marché est passé avec les entreprises qui doivent le construire, parce que c'est l'agglo qui est le maître d'ouvrage, donc c'est pour ça que ce n'est pas passé avec la commune, on n'a pas passé les marchés ici. Les marchés sont passés avec l'agglo, sont signés avec les entreprises, donc normalement d'ici début février, concrètement, les travaux devraient démarrer. On projette de voir aux périodes scolaires, les vacances scolaires. Pour le passage du... Oui, sans doute, oui. Oui, mais ça, le passage... Ça n'empêche pas les travaux de commencer, oui, parce que... Oui, 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 il faudra en discuter avec Atlantico sur la période bien, bien adaptée par rapport à la... par rapport à l'école, oui. La servitude de passage, dont l'emplacement est indiqué sur le plan parcellaire, donne droit à établir à demeure dans une bande de 3 mètres, dite bande de servitude, une canalisation PEHD de diamètre 63 et ses accessoires techniques sur un linéaire d'environ 20 mètres linéaires, dont tout élément sera situé à au moins 90 cm de la surface naturelle du sol, étant précisé que la bande précitée sera centrée sur l'axe de la canalisation. Pénétrer sur la dite parcelle après information du contractant et d'y exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation, l'entretien, le renforcement, la réparation, l'enlèvement, le remplacement de tout ou partie de la canalisation et des ouvrages accessoires. D'occuper temporairement pour l'exécution des travaux une largeur supplémentaire de 5 mètres, de procéder aux enlèvements de toute végétation, plantation, aux abattages, au dessouchage des arbres et abus nécessaires à l'exécution des travaux ou à l'entretien des ouvrages prévus ci-dessus, le co-contractant disposant en toute propriété des arbres et des arbustes abattus entreposés sur les lieux. Toutefois, le co-contractant pourra demander aux frais de la collectivité leur enlèvement par celle-ci. Il est proposé d'approuver la constitution d'une servitude entre Atlantique Haut et la commune de Sainte-Pazanne, permettant ainsi de réaliser les travaux. Alors, c'est plutôt un signe que les choses avancent. En fait, c'est l'agglo qui a fait le nécessaire par rapport à Atlantico, mais c'est à la commune de prendre cette délibération parce que la voirie est communale pour accéder à cette future construction. Des observations ? Un peu quand même, ouais. Oui. On est en train de travailler sur ce secteur-là avec. Ouais. Le CAUE sur la question des cours d'école, on a bien parlé de ce linéaire, là, dont il restait déjà pas grand-chose, avec des arbres notables. Donc, est-ce qu'on pourra avoir un doigt de regard un peu plus que ce qu'il y a décrit là, sur les arbres qui sont là en place ? Non, tu as raison. Il faut demander de passer sous la voirie, hein. Pour ne pas toucher aux arbres. Et on peut passer sous la voirie, cette canalisation. Oui, mais le piquage, c'est une canalisation existante. Ils ne peuvent pas piquer n'importe où. Ils peuvent piquer non, mais ils peuvent peut-être piquer plus bas aussi. Un peu plus loin entre les arbres. Oui, non, mais ça, on pourrait le signaler dans la délibération que les travaux puissent éviter la... Parce qu'ils font prendre une délibération un peu générique, là, je vois bien. Mais parce que c'est vrai qu'il suffit de passer par la route qui est devant l'école. Et du coup, on ne gêne pas la végétation. Mais on peut le signaler... On peut le mettre en observation dans notre délibération. Oui, oui. Mais à ce moment-là, il faut enlever le dernier paragraphe. Non, mais bon, ça paraît... Ouais, c'est surtout qu'il faut pas qu'ils enlèvent de végétation sans nous avertir. Parce que s'il faut prendre une délibération pour enlever... C'est ça. Si c'est une petite ronce, c'est ça. C'est pour ça que ça... C'est bien que c'est pas des ronces, là. S'il passe sur la route... Non, mais on n'a pas réagi sur le truc d'avant, là. C'est pas vraiment... Oui. Non, mais il n'y a pas de végétation, là-bas. Mais non, c'est l'espace vert qu'il y a, vous voyez bien, devant, il n'y a pas de végétation, là-bas. Mais là, par contre, là, entre la route et le restaurant, il y a de la végétation. Là. Est-ce qu'on peut peut-être ajouter de procéder à une expertise de la végétation en place ou
de vous là et d'étudier les possibilités, non. Si tu veux pas passer de délibération. Oui, oui. Ou d'éviter, on pourrait pas mettre éviter. Oui. Non, mais ça peut très bien passer sous la route, hein, parce que vous voyez, entre la route, enfin moi je vois pas bien le plan là, d'ici où je suis, mais. Mais c'est vrai qu'ils sont pas venus nous voir. Ça arrive de l'agglo, sans doute cette délibération. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais bon, on n'a pas eu de discussion. Moi, je mettrais bien que la commune demande que ces travaux respectent la végétation, enfin ou la oui la végétation en place. Ou évite la végétation en place, ou je ne sais pas comment. On peut rajouter un point comme celui-là. Oui. C'est sûr. Non, mais d'autant plus qu'il y a possibilité d'éviter. On voit bien, vous connaissez les lieux, comment c'est. S'il faut passer 2 mètres plus loin et passer sous la route, on évite la végétation. Donc, un an. Ah, devant l'école, ça, bah, c'est juste passer un tuyau, ça va durer. Je peux pas te dire, moi, quelques jours, peut-être. Ça pourrait être l'occasion de réfléchir à la circulation devant l'école, puisqu'elle sera perturbée. Comme on disait tout à l'heure, il faudrait recevoir les vacances. Peut-être, mais on va peut-être après. Oui. Et ça sera peut-être pas pour les vacances. Ils vont demander l'autorisation de voirie, et on n'a pas. On est en réflexion justement avec le CEUE sur les aménagements des cours d'école et ça fait partie d'un des sujets de réflexion, cet aménagement. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'on soit déjà de l'agglo, il faut que nous mette au courant déjà de la temporalité de ces travaux. S'ils l'ont programmé au mois d'août, c'est pas grave. Hein. Mais c'est, s'ils le font avant, on ne sait pas quand ils vont le faire. Oui. Non, non, mais ça peut être ça la formule ou je pense pas que ça va gêner beaucoup en plus, donc c'est pas comme si ça bloquait. Mais justement, c'est ce qu'on propose. Donc, plutôt que d'enlever le dernier paragraphe, parce qu'on aurait pu l'enlever, le dernier paragraphe. C'est une autre façon de le faire. C'est de l'enlever. Plutôt que de dire ne donne pas droit à. Ne oblige à une discussion. Comment ? Si tu enlèves juste le dernier paragraphe pour rien mettre, il y a tout qui permet toutes les interprétations, on n'en a pas parlé, point. D'accord. D'accord. Donc on écrit les servitudes de passage donnent droit pour les 3 premiers points et ne donnent pas droit pour le dernier, pour le 4e sujet. On le réécrit comme ça. Oui, mais après on verra, ils reviendront vers nous. S'il faut, au moins, ça met la balle dans notre camp parce qu'autrement, on n'a pas la balle dans notre camp. C'est bon, Patrick, pour réécrire la fin de cette délibération. Donc, avec cette modification apportée, est-ce qu'il y a des remarques complémentaires à ce qui vient d'être dit ? Non, c'est bon. Des oppositions ou des abstentions ? OK, merci. Le point suivant concerne le transfert de la convention d'occupation des chemins ruraux et voies communales au bénéfice de la société Paséol. Et je vais demander à Aurélie de nous en faire la présentation. Dans le cadre
de l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Sainte-Pazanne, le conseil municipal a autorisé, par délibération du 19 novembre 2018, la signature d'une convention d'occupation des chemins ruraux et voies communales avec la société Nordex France SAS. Par suite, une convention d'occupation des chemins ruraux et voies communales a été conclue le 19 décembre 2018 avec la société Nordex France SAS. Le groupe Nordex a cédé son activité de développement de projets éoliens terrestres en France au groupe RWE Renewable, notamment par le biais d'un apport partiel d'actifs de sa branche d'activité de prospection, de développement et de vente de projets de production d'énergie renouvelable en France, incluant tous les actifs, droits, contrats relatifs à tout projet situé en France. Dans ce contexte, les activités de développement de projets de parcs éoliens terrestres et de projets photovoltaïques du groupe Nordex en France ont été transférées de la société Nordex France SAS à la société RWE Renouvelable France. Ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça doit être renouvelable au-dessus. Hein. Ouais, c'était mieux. Je pense. Le renewable, ça doit être du renouvelable en fait. Donc, dans le cadre du projet éolien en développement sur le territoire de la commune de Sainte-Pazanne, un tel transfert suppose notamment pour la société Nordex France de transférer l'ensemble des contrats conclus par Nordex France à la société Paseol SAS, filiale du groupe RWE Renewable, en charge du développement du parc éolien sur le territoire de la commune de Sainte-Pazanne, en ce compris la convention susvisée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de la convention susvisée et afin de pouvoir permettre la construction du projet de parc éolien ayant désormais vocation à être développé par la société Paseol SAS, représentée par Joseph Fognaud en tant que président, il est demandé au conseil municipal de consentir au transfert de la convention susvisée signée le 19 décembre 2018 avec Nordex France à la société Paseol pour la réalisation du projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Sainte-Pazanne. Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus exposés, le conseil municipal est invité à autoriser le transfert de la convention d'occupation des chemins ruraux et voies communales du 19 décembre 2018 au bénéfice de la société Paseol, représentée par Joseph Fognaud en tant que président. Un changement de nom de société, hein, en résumé, de cette page de lecture. Comment il fait voter ? Oui, non, il y a peut-être des observations, des questions complémentaires. L'information complémentaire que vous devez, que vous avez, je ne sais plus si on l'a donnée au Conseil. Alors, c'est l'occasion de la donner, c'est que le préfet, donc c'est le préfet qui donne l'autorisation de construction, hein, ce n'est pas les communes. Nous, après, on a des conventions comme celle-là pour les chemins communaux, mais c'est le préfet qui a donné l'autorisation au mois de juillet, je pense, 2022. Et il y a 4 mois de recours possible sur la décision du préfet. Ça allait jusqu'au mois de novembre. Et à partir du moment où il n'y a pas eu de recours déposé sur ce sujet-là, ça veut dire que les feux sont au vert pour la construction. Ça ne veut pas dire que ça va se construire demain. Je pense qu'il y a un délai au moins d'un an minimum de préparation pour l'entreprise. Par rapport aux différents sujets, ne serait-ce que la construction des machines qui se font au fur et à mesure, donc il faut bien voilà. Mais les feux sont ouverts, donc c'est pour ça qu'on avait déjà eu cette délibération, on l'avait reportée cette délibération en attendant de savoir s'il y aurait les autorisations pour avancer. Aujourd'hui, les autorisations étant données, donc on nous a reproposé cette délibération qui permet de régulariser le bon nom de société avec qui on doit passer une convention d'occupation des chemins communaux. Y a-t-il des observations ? Je signale que je ne prends pas part au vote. Par précaution, parce qu'il se trouve qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est concerné sur un terrain, donc on m'a dit, bon, c'est un cousin, c'est pas si près que ça, mais il vaut mieux ne pas prendre part au vote par précaution pour pas que ça puisse être entaché d'irrégularité. Donc je fais voter, mais je ne prends pas part au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? 1, 2, 3, 4.
Des abstentions. Et donc c'est accordé et moi je faut enlever une signaler que je ne prends pas part au vote. Il y a des dénominations de rue, c'est toujours un sujet un peu complexe, c'est ça, qui sont proposées. Monique a travaillé avec le Conseil citoyen pour essayer de voir quelques pourraient être des dénominations de rue sur des constructions nouvelles. Donc avec Stéphane, ils vont peut-être présenter les endroits un peu d'urbanisation. Et puis Monique, voilà. Je vous laisse présenter les choses. Donc en partenariat avec le Conseil citoyen, nous avons proposé des noms de rues ou d'impasses pour différents quartiers dans le centre de Sainte-Pavane. Donc pour le Clos des Tonneliers. Alors, précise où c'est. Précise où c'est. Le Clos des Tonneliers, c'est ce qui rejoint entre le Malessard et le Moulin Baudrin. C'est les terrains qui sont juste en dessous, à gauche. Qui sont à travaux actuellement. Voilà. Donc, on propose l'impasse de la Dauloire. Sachant que dans ce secteur-là, c'est des noms de rues qui correspondent à la vigne, au travail de la vigne. C'est un outil qui sert même également aux charpentiers. Pour le Clos des Tonneliers 2, c'est la parcelle qui est juste au-dessus du Clos des Tonneliers 2. On propose l'impasse du Foudre. Non, c'est du Foudre. Il n'y a pas d'erreur. Ah, tu regardes ce que c'est que le Foudre ? Ah. Moi, c'est à ma connaissance. C'est un fût, une grosse barrique. C'est marrant, j'aurais pas dit ça, tu vois, comme quoi. Moi, je pense que c'est l'endroit où le raisin coule du pressoir dans la cuve, et après on le met dans le. C'est marrant, j'avais ce souvenir-là, moi, de la foudre. Tu vois, le truc où on fait couler le vin dans le... J'ai un doute, mais non, la mets, il y a la mets où on fait le vin. Ah oui, c'est un charlot, t'as raison. T'as raison, c'est un charlot. Non, mais c'est moi qui me trompe, c'est un charlot. C'est pour stocker le vin en terre. Oui, c'est ça. Le foudre, c'est plus pour stocker le vin en terre, peut-être, des foudres en terre. Mais surtout, c'est plus. Oui, c'est ça. Bon, bref. Mais ça permet de faire une petite révision. Alors, on continue. Donc, nous passons à un autre secteur, les jardins de Bel Air. Donc, ça, c'est sur la route du Pont Béranger. Donc, on propose la rue de Cérès et l'impasse des Semailles. Nous restons dans les moissons. Et Cérès, c'est la déesse de l'agriculture. Voilà. Il vérifie tout au fur et à mesure. Ça marche, on reste dans les moissons. C'est... Et autrement, dans un autre quartier, les jardins de Sainte-Anne. Donc, pour rester dans des noms de haies, on propose la rue des Abélies et la rue du Fusain. C'est quoi la rue des Abélies ? C'est une plante. C'est une abélia. L'abélia. C'est l'abélia. Et autrement, dans les jardins de la Jutière, les jardins de Jutière, c'est impasse du Vigneau. Rue du Vigneau, pardon, pas impasse. Voilà. Dans le virage à côté des aéroplanes. Voilà. On propose l'impasse des Luthiers. C'est pas là où il y a la sortie qui tombe sur la rue, c'est... Oui, tout à fait. C'est quand même lamentable, on a pu sortir par l'autre côté pour éviter l'imperméabilisation des sols. Non, ça rentre comme ça et ça sort comme ça. Ouais. C'est l'entrée, il faut savoir. La sortie, elle est par la rue des charpentiers. Des charpentiers.
Des menuisiers. Non, non, il y a la rue des menuisiers là, qui donne. Oui. Elle aurait pu servir d'entrée de sortie. Oui. De sortie. La largeur n'était pas adaptée pour faire. On les a mis en sens unique. Sens unique. Moi, ce que j'ai pensé surtout, c'est que le nombre de gens qui vont à la gare, qui sont piétons, qui vont traverser une fois un élément routier, et même pas 50 mètres après, un deuxième élément routier. Pourquoi ? Et là, ben, je ne sais pas. Moi, c'était très bien sécurisé comme c'était. Ouais. Tout était passé par la. De toute façon, il y a un plateau au bout de la route, les gens vont traverser. Non, mais quand ils vont longer. Oui, oui, quand ils vont longer, le long de l'étang. Le long de l'étang. Voilà, quand tu arrives au bout de l'étang, là, il y a une première rue qui sort, bah, c'est sûr, mais bon, c'est pas. Dans quel sens ça va, ça rentre en plus ouais. Il va pas. Et alors, je comprends pas pourquoi c'est une impasse si on peut rentrer par là et sortir par là. Ben, c'est. Non, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Parce que. Oui. Là, on ne peut pas sortir là-bas. On ne peut pas sortir parce que c'est privé au-dessus. On ne peut pas sortir au-dessus. Ça a été aussi. Guy-Luc, pour ton information, ça a été des discussions importantes avec les gens du lotissement à côté. Voilà, bon, il y a eu. Ça a été complexe. Non, non, mais je te réponds. Ouais, on peut entendre. Oui, maintenant parce que le dossier, il était. Ça fait 4 ans qu'il est. Voilà, il a mis comment la famille propriétaire a mis beaucoup de temps à sortir ce dossier, mais il est déjà dans les tuyaux avant notre équipe en fait, oui. Hein, quelque part. Il y a eu des engagements qui ont été pris. D'autres remarques ? Ça vous va sinon les noms de rue ? Bon, c'est un peu original, mais c'est toujours un peu complexe. Il y a une certaine cohérence qu'a essayé d'être trouvée. Oui, alors il y a aussi ce que dit Gérard, ce qui est important, c'est que la Poste nous demande de faire attention aux noms de rue que l'on donne, qu'on ne donne pas les mêmes noms de rue qu'à Saint-Hilaire-de-Chaléon. Ou Cachemiré ou non, parce que Chaume, c'est par rapport au code postal. Les 44 680, ça concerne qu'une partie de Chaume, c'est la partie Cachemiré. Arton a un autre code postal. Et ces codes postaux n'ont pas été changés. Non, en fait, il y a Saint-Marc-de-Coutet, Sainte-Pazanne, Cachemiré et Saint-Hilaire-de-Chaléon, qui ont 44 680. Donc, on essaye de faire attention de ne pas avoir les mêmes noms de rue, parce qu'avec le même code postal, pour la Poste, ça pose quelquefois des soucis. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà quelques rues avec le même nom, avec Saint-Hilaire-de-Chaléon. Donc, maintenant, on essaye d'y faire attention. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce que sur cette proposition de nom de rue, est-ce qu'il y a des oppositions ? Ou des abstentions. Merci. Désignation d'un correspondant défense. Depuis 2001, chaque commune doit désigner un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. C'est une instruction ministérielle du 8 janvier 2009. Et une circulaire qui l'a rappelé le 21 octobre 2021. Le correspondant défense est le délégué du maire pour prendre en charge les questions relatives à la défense. Il est le représentant de la commune auprès des instances civiles et militaires du département et de la région. Il sensibilise ses concitoyens aux questions de défense. Le correspondant défense est le lien local entre le mode de la défense et les citoyens. Entre le monde de la défense et les citoyens. Sa mission s'articule autour de 3 axes. Le parcours de citoyenneté qui comprend l'enseignement de la défense, l'école, il doit y avoir une virgule, le recensement et les journées de défense et de citoyenneté. Les activités de défense, volontariat, préparation militaire, réserve militaire, le devoir de mémoire, de reconnaissance et de solidarité. Par exemple, des expositions, des conférences, des visites ou des cérémonies. Suite au renouvellement du conseil municipal de 2020, un nouveau correspondant défense doit être nommé. Nous ne l'avions pas régularisé jusqu'ici.
Ce qui fait qu'il y a eu quelques réunions organisées par la préfecture et le ministère de la Défense sur le département où la commune n'a pas été représentée en 2022 parce qu'on aurait dû nommer quelqu'un il y a déjà un an. Et donc, il vous est proposé que ce soit Roger Masson, qui était déjà ce délégué défense sous le mandat précédent, qui continue son action. Est-ce que ça vous pose souci? Alors, entre ce qui est écrit là et la réalité des choses, il faut relativiser. Hein. Je pense que Roger pourrait le dire, il y a une réunion par an qui, avec les responsables de... Et puis, il y a des informations qui arrivent. On reçoit des informations qui sont quelquefois un peu confidentielles, d'autres qui le sont moins. Il faut voir comment on peut les utiliser. Là, on a eu, oui, comme le disait Monsieur le maire, on a eu l'information qu'une réunion était organisée à Saint-Viaud, je crois, là, dans le mois d'octobre. On avait eu l'information, mais on s'est posé la question. On a interrogé le responsable de ce service-là, on lui a envoyé des mails, on a essayé de l'appeler au téléphone, on n'a jamais eu de réponse, parce qu'on se posait la question si on avait le droit de participer à cette réunion-là, tout en n'ayant pas désigné de correspondant. Et on n'a jamais eu de réponse, donc on s'est abstenu d'aller à cette réunion. Voilà, c'est pourquoi on disait, ben voilà, il faut qu'on régularise, quoi. On régularise la chose. Okay. Ça, est-ce que ça pose souci, oui, Bruno? Oui, non, je vous cache pas. Hein, moi, ça m'aurait botté, ça m'aurait intéressé, hein, de par, oui. J'ai envie de dire, mes expériences et relations avec les institutions de la défense dans le cadre professionnel. Hein. Mais bon, Roger assurera très bien cette fonction. J'ai pas de souci avec ça. Mais je tenais à vous le dire, quand même. Non, mais moi, je te dirais, il est important qu'il y ait une personne, à la limite. À la limite, si Roger, tu acceptes. Si tu acceptes de laisser... Non, mais c'est pas non plus un engagement énorme, je te rassure. Mais à la limite, s'il y a quelqu'un qui est volontaire pour suivre ces questions-là, moi, je dis pourquoi pas. Mais absolument. Tu serais d'accord, Roger, ça te vexe Non, mais depuis le début du mandat, j'ai renouvelé souvent Jean-Pierre Bernard. Je dis, on n'a pas fait de désignation, c'est pas normal, c'est obligatoire. De toute façon, mais du moment qu'il y ait quelqu'un, je ne vais pas me battre à ce sujet-là. J'ai de l'occupation, déjà, voilà. Bon, on fait comme ça. On propose... Tu serais d'accord, Roger? Ah ouais, moi, je suis d'accord. Si moi, je trouve que... Bon, voilà. Donc, on enverra ça. C'est à la préfecture, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est à la préfecture qu'on doit envoyer ça. C'est la préfecture qui convoque aux réunions. Mais je ne sais pas, j'y suis jamais allé, mais... Ouais, c'est très militaire, oui. Mais ça passe par le ministère des Armées, oui, plutôt. Bon. Est-ce qu'il y a, pour désigner Bruno Clavier, est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions? Merci. Ben merci. Donc on enverra l'information. Qui est abstient. D'accord. Cette personne-là ne devrait pas être dans la commission sécurisée. C'est ce que j'allais proposer. Oui, mais ça peut peut-être se rajouter. Oui. Ben oui, il n'est pas là. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre les deux missions. Est-ce que tu n'avais pas prévu de rentrer dans la commission? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, à mon avis, la mission. Non, c'est quand même... Franchement, les missions sont pas... Bon. Ouais. Oui, mais ça empêche pas de les conduire, ces actions-là. Bon. Ouais. En fait, c'est des structures mises en place par l'État pour essayer de déconcentrer les choses et compagnie. L'application pour nos communes, elle est quand même assez... c'est pas pour minimiser, hein, mais c'est assez limité. Hein, c'est pas, tu ne seras pas pris toutes les semaines sur cette question-là, hein, parce que je vois bien les invitations qui arrivent et compagnie. Enfin, dans le mandat précédent, il y avait des informations intéressantes sur...
sur où sont les armées, ce qu'elles font, etc., le matériel utilisé, etc. Mmh. Voilà. Ça rentre dans ton domaine, je comprends. C'est plus, mais, ça. Voilà. Plus ça que la sécurité communale. Ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir avec la sécurité communale. Oui, oui, oui. On est plus sur les actions globales que sur les actions locales, quoi. Bon, j'ai entendu une abstention. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions? Ok, merci. Autre question sur l'ouverture des commerces le dimanche. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, offre la possibilité de déroger au repos dominical jusqu'à 12 dimanches par an, contre 5 auparavant, après consultation du conseil municipal. Monsieur Gandrillo, gérant de la société Zodipaz, a fait part par courrier en date du 7 novembre 2022 d'une demande de dérogation pour une ouverture du magasin Super U les dimanches 24 et 31 décembre 2023. Parce qu'en fait, cette loi dit que les demandes doivent être faites avant le 31 décembre de l'année précédente. Monsieur Gandrillo a été sollicité en retour pour faire connaître la position des employés. C'est ce qu'on avait demandé la dernière fois qu'il nous l'avait demandé, je ne sais plus, il y a quelques années, parce qu'un dimanche correspondait juste avant Noël, par exemple, comme ça va tomber en 2023. Donc on l'a sollicité pour faire connaître la position des employés. En effet, les salariés doivent être volontaires pour travailler les dimanches et il est nécessaire que l'employeur demande leur accord par écrit. Monsieur Gandrillo nous a répondu, je l'ai eu d'ailleurs au téléphone aussi, a répondu en fournissant un procès-verbal de carence à l'élection des représentants. C'est-à-dire qu'on n'a pas la position des élus parce qu'il n'y a pas de délégué du personnel, parce que le personnel n'a pas organisé de délégation en son sein. Donc il y a un procès-verbal de carence à l'élection des représentants du personnel. Donc on n'a pas l'avis du personnel, parce que du coup, après, c'est que des avis individuels. Ce n'est pas un avis organisé. Compte tenu du calendrier 2023, il vous est donc proposé, pour faire suite à la demande, après c'est à nous d'en décider, hein, les deux dimanches suivants, les 24 et 31 décembre 2023, sachant forcément qu'il y a eu le... C'est la veille du 25 décembre et du 1er janvier, et qu'il y a des gens qui, au dernier moment, en particulier au niveau de la restauration, me dit-il, font des commandes, et que pour pouvoir fournir ces commandes, ben, elle est fournie au dernier moment pour les réveillons de Noël et du 1er de l'an. Et donc, si, suivant ce qu'on va décidé ce soir, on prendra un arrêté municipal qui l'autorise ou qui ne l'autorise pas. Voilà, le débat nous appartient. C'est toute la journée. Parce que s'il ouvrait que le matin, je crois qu'il n'aurait pas besoin de demander de dérogation. C'est parce qu'il compte aller au-delà du midi, pour préciser les choses. Il n'a pas donné d'heure d'arrêt, mais rien ne nous empêche d'en donner. Nous, on peut dire délibérer pour dire jusqu'à 15h, jusqu'à 16h, je ne sais pas quoi. Par exemple, hein, c'est un exemple, mais on a une part de liberté. Voilà. Mais c'est une bonne observation de pour trop traîner, si on est d'accord. Il y a des communes, vous avez vu dans la presse, Machecoul, ça fait l'objet d'un débat. Il y a des communes qui ne le proposent pas. Cette dérogation. Moi, à partir du moment où il y avait un courrier, je me suis dit, on le propose au Conseil. Le Conseil est majeur pour décider. Voilà, chacun en son âme et conscience. On sait que c'est un débat. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de ne pas avoir la position du personnel. Mais c'est pas de la faute du gérant, du coup. Parce que tel que c'est là, il nous a envoyé qu'il n'y a pas eu d'élection de délégué. C'est pas de son ressort, quelque part. Mais c'est un fait que je sais que la fois dernière, il avait envoyé un avis positif des salariés pour cette ouverture. Sachant que les salariés qui acceptent de venir se travailler ces jours-là, vous savez qu'il y a des conditions plus avantageuses, ce qui fait qu'il y en a un certain nombre qui acceptent aussi. Enfin, vous connaissez ce débat-là, hein, les uns et les autres. Oui, mais bien qu'il n'y ait pas de délégué du personnel, à mon avis, avant de nous faire la demande, il aurait dû
faire une enquête auprès de son personnel pour savoir si éventuellement ils étaient pour ou contre. Moi, ça me gêne beaucoup. Là. Comment ? Non, mais moi, j'ai pas la réponse à tout ça. J'ai pas la réponse. Donc, il nous a fait part. Moi, je lui ai dit, il me dit, je peux vous fournir un procès verbal de carence. C'est des choses qui existent dans les entreprises. Il nous a envoyé ce procès verbal de carence. Donc, on l'a reçu. Après, est-ce que les conditions, machin et tout ça, moi, j'ai pas les éléments. Est-ce qu'on ne peut pas faire un avis sous réserve que les salariés soient... Non, ils vont voter avant le 31 décembre. Je crois que ça se transforme en salariat d'office. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a proposé des élections de représentants du personnel, et personne ne s'est présenté, personne n'a voté. Donc, quelque part, lui, il n'est pas en faute. Non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon, après... Non, je crois qu'on n'avait pas mis d'heure. On n'avait pas précisé, mais il avait arrêté. Il avait arrêté dans le milieu de l'après-midi. Hein. De toute façon, moi, il m'a dit, je ne sais pas encore un an à l'avance, c'est compliqué, mais si je peux avoir une souplesse pour aller une partie de l'après-midi, après, à nous de décider. Hein. Bon, ou on ne dit rien et lui arrêtera avec ses salariés plus vite dans l'après-midi, parce que c'est presque une demande de précaution qu'il prend pour l'instant. Il sait que s'il ne demande pas avant le 31 décembre 2022, il n'y aura pas de dérogation du tout, parce qu'après, on ne peut pas demander de dérogation courant 2023. Faut que ce soit pour les ouvertures. Alors, faut relativiser aussi. On n'a pas une demande de 12... C'est combien la loi ? 12, je crois. Alors, on n'a pas cette demande-là non plus. Hein, on n'en est pas là. Il est fermé... Il est fermé le dimanche toute l'année, hein, donc j'ai pas ouvert. C'est une demande exceptionnelle la veille du 25 et du 1er janvier. Voilà. On peut le considérer comme ça. On peut le considérer aussi comme ça. S'il était ouvert tous les dimanches, ça serait autre chose. Là, c'est vrai qu'il joue le jeu de ne pas être ouvert le dimanche. Je trouve que c'est plutôt positif. Alors, il n'y a pas d'autres commerces de concernés parce qu'il faut que ce soit les commerces de plus de 400 mètres carrés. Les commerces de bouche depuis 400 mètres carrés. Donc, on n'a pas... Les boulangeries, elles sont ouvertes. Oui, mais les boulangeries peuvent ouvrir le dimanche après-midi, le 24 décembre, sans demander de dérogation. Le boucher peut ouvrir le dimanche 24 sans demander de dérogation parce qu'ils sont à moins de 400 mètres carrés. Les commerces... de proximité sont autorisés à ouvrir le dimanche. Il n'y a pas besoin de cette dérogation communale. La dérogation du conseil municipal concerne les commerces de plus de 400 mètres carrés. Moi, je pense que si on est pas un dimanche matin, il y aura effectivement beaucoup de monde. Et moi, je les donnerai l'autorisation jusqu'à 15 heures. Parce que je pense qu'il y aura vraiment du monde le 24 au matin et le 31 au matin. Et qu'en fait, c'est plutôt les clients qui restent de faire des deux monstres d'eux avec un personnel qui ne sera peut-être pas si nombreux que ça. Et qu'il faut effectivement donner de la souplesse. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on aille jusqu'à 20 heures ou même. Deux heures, parce que ça ferme à 13h. Le conseil municipal a pris conscience que ça peut poser un problème pour les 7000 habitants, hein, quand même, dans notre commune. Donc, moi, j'irai bien jusqu'à 15h. Moi, c'est vrai qu'il me l'a présenté essentiellement pour travail de restauration, comment dire. Le traiteur. Voilà. L'activité de traiteur. Il me l'a présenté essentiellement pour ça. Non, mais je pense que l'activité de traiteur... Oui, mais ce jour-là, il peut réorganiser. Non, mais le problème du traiteur, c'est 15 heures. Après, c'est de stocker tes denrées. Et à 15 heures, il faut stocker tes denrées jusqu'à 22 heures quand tu te mets à table. Donc, du coup, il faut avoir de la place, tu vois. C'est quand la chaîne du froid, mine de rien, elle existe. Non, je suis d'accord. Si c'est un problème de rupture de la chaîne du froid, j'ai pas dit 20 heures. Là, moi, je n'ai pas de dérogation. Je suis pas d'accord pour une dérogation. Je suis d'accord avec Mariette. Les gens se débrouillent. On donne la possibilité, nous, conseil municipal, à Super-U, de pouvoir
permettent à leurs clients de venir plus tard chercher leur nourriture, de ne pas être débordés au super-U un dimanche matin ou à deux dimanches supplémentaires. Il ne s'agit pas non plus de dire aux gens, c'est open bar, vous pouvez venir à 19h, parce que c'est ce qui se passe quand même dans les villes. Dans les villes, on s'est ouvert jusqu'à 20h, ben, les gens ils vont à 19h chercher leur nourriture. Et donc là, moi, dans ces cas-là, c'est pas une chose. Et je rejoins à ce moment-là ce que dit Christophe, c'est quand même les gens de Super U qui sont peu nombreux au rayon traiteur qui vont trinquer jusqu'à 20h. Donc là, les gens vont déjà travailler jusqu'à 20h. Donc, de toute façon, je suis contre. Oui, mais c'est ces gens-là ne vont pas avoir le choix. Oui, dans les faits, c'est ça. Christophe, vous pensez venir climat social aussi. Je pense que, oui, après, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils font appel à des volontaires. Alors après, ça peut être des volontaires d'office. Bon, peut-être, je connais pas bien le fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue que celui, il y a eu un point de vue d'exprimer, est-ce qu'il y a d'autres points de vue avant de proposer le vote? Moi, je suis d'accord avec Yvan qu'il ne faut pas aller jusqu'à 20h, mais je pense que 15h, c'est trop tôt. Moi, j'aurais dit 17h. 17h, on plie. 17h, maximum. 17h, maximum. 17h. On s'écoute. On écoute les arguments des uns et des autres. Non, faut que tu comptes par rapport à 13h, non pas midi. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres, points de vue? Oui, c'est ça, c'est... Voilà. Honnêtement, c'est deux jours par... Après. Écoute, et après tu vas. Même lui, il n'est pas sûr, je ne sais pas, je suis sûr. Mais je suis pas d'accord avec toi, hein. C'est pas parce qu'il a... La demande, c'est parce qu'il est obligé de faire la demande, sinon je pense qu'il ne ferait pas la demande. Hein. Surtout un an en avance. Par contre, moi, je t'ai entendu dans ce que tu dis. Moi, je ne suis pas d'accord pour faire que les gens aillent travailler le dimanche après-midi. Je pense qu'on est à aujourd'hui, il y a des moyens pour... On a des moyens... qu'on peut mettre en place pour s'organiser pour aller chercher la nourriture suffisamment à l'avance. Et on est tous équipés d'endroits pour la stocker. Hein, on va pas aller chercher à Super U pour faire nourrir 100 personnes. Quoi. Donc moi, on va voter là. On votera chacun à mes consciences. Moi, je voterai contre. Et puis, on va faire voter. Moi. J'ai eu des connaissances sur les fermetures tardives des Leclerc et autres, ce que ça rapporte. Je pense que qui commerce comme Super U, qui est tout seul dans son rayon, si tout le monde va à Pornic ou à Rosé, parce qu'ils ont oublié quelque chose, je ne vois pas où est l'intérêt de notre vote dans ce cas-là. On n'a pas besoin de le faire. En fait.
vote parce qu'on nous demande de voter. Oui, c'est ça. D'accord, mais je veux dire, pourquoi on est contre quand on sait qu'économiquement parlant, Non. Moi, je... Mais pourquoi? Parce qu'il nous manque l'avis du personnel. Exactement. On n'a pas le problème, du personnel. C'est que là, on prend. Et moi, je vote à la place du personnel. On n'a pas l'avis du personnel. Bah, si, si. Mais oui, mais le personnel. Moi, je voulais juste rajouter qu'il demandait ça de façon exceptionnelle 2 jours par an, le 24 et le 31. Et pas tous les ans. Et pas tous les ans. Tout dépend comment le dimanche tombe dans le. Et en effet, je pense que le positionnement des surfaces commerciales de même ampleur autour de Sainte-Pazanne va peut-être être ouverte le 24 et le 31, et on fera que basculer les commandes sur d'autres surfaces. D'autres surfaces, et pour moi, c'est dommage, tout simplement. Enfin, ça n'a pas de sens dans... De punir. Voilà. Moi, je vais vous proposer 3 votes, parce que c'est le moyen de définir. C'est soit... Mais non, mais ceux qui se prononcent pour ne pas donner de dérogation, c'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas le dimanche après-midi, il aura le droit d'ouvrir le dimanche matin, soit on se prononce jusqu'à 15h ou jusqu'à 17h. Il y a 3 possibilités. Parce que sinon, comment voulez-vous, là, il y a des avis différents, et puis chacun s'exprime. Est-ce que ces 3 possibilités vous conviennent dans le vote, d'abord? Faut d'abord être d'accord sur les... Parce que j'ai entendu les uns les autres entre... Hein? Ouais. Bon, après, et puis on vote sur ces 3 possibilités, et puis voilà. Bon, c'est pas la face du monde non plus, hein, ce qu'on est en train de faire. Hein. Ça va pas... Faut relativiser l'importance de notre vote. Mais... T'es pas d'accord? Ben voilà, mais non, mais je demandais si sur le principe on est d'accord ou pas. Donc vas-y, propose autre chose. Non. C'était une façon de m'en sortir. Je suis pas d'accord avec le fait que ça soit. C'est pas important. Oui. Pour les fêtes, mine de rien, il y a quand même une importance sur ce genre de commerce quand même à faire de la prestation de traiteur, quoi. Donc en effet, si on vote la fermeture. Bon. Est-ce que sur le fait de voter sur ces trois. Sur ces 3 possibilités, ça vous convient? Oui, d'accord. Non, mais... D'accord. On est d'accord? On y va? Qui est pour ne pas donner de dérogation à la demande de M. Gandrillo? Alors, on compte les mains qui se lèvent. 4. Qui serait d'accord pour donner une dérogation jusqu'à 15 heures? Oh non. J'hésite, moi. Pour une dérogation jusqu'à 17 heures. Du coup, moi, j'ai 2 voix aussi. Tu avais 2 voix tout à l'heure? Ah oui, donc il faut changer le vote à Gérard. C'est 1 voix de plus, parce qu'il avait 2 voix. Levez 2 mains quand vous avez une... Donc, 17h, on en est là. Ça fait combien de mains qui se lèvent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et sans limite d'ouverture, c'est-à-dire qu'on lui permet d'ouvrir sur les heures d'ouverture. De toute façon, si on dit non... C'est-à-dire qu'il ouvre jusqu'à 19h, quoi. Et normalement, c'est 19h30, je crois. C'est les heures de fermeture. Donc. Sans limite, est-ce qu'il y a des propositions? Donc, majoritairement, c'est une dérogation jusqu'à 17h. C'est ça, le résultat du vote, hein. Je ne sais plus le nombre de voix exact, mais j'ai vu qu'il y avait une différence. 14, 7 et 5. Bon, merci du vote. Oui, oui. Ben oui, oui. Mais ça. Modification du tableau des effectifs. Il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services.
En fait, je résume, hein, la délibération, c'est qu'à la maison, France Service, deux postes d'adjoints administratifs ont été ouverts avec l'ouverture de la maison France Service à 24 heures hebdomadaires, avec les missions principales d'accueil du public, d'accueil physique, téléphonique, des usagers, l'identification des attentes des usagers et l'accompagnement des usagers jusqu'à la complétude de leur dossier administratif. Elles accompagnent les personnes dans leurs démarches administratives liées à la santé, à la famille, à la retraite ou à l'emploi. En raison d'une fréquentation soutenue du service, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que les filles sont très occupées, parce que ce n'était pas toujours évident, que je me disais, pourvu que ça fonctionne, la Maison France Service, eh bien, ça fonctionne. Les filles nous font quelques heures supplémentaires pour pouvoir répondre, ou complémentaires, pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. Donc, on vous propose de passer de 24 heures à 25 h 30 pour ces deux agents, pour répondre à l'ensemble des services. C'est ça, l'objet de cette délibération. Ça va faire une charge un peu plus élevée pour la commune, certes, mais ça correspond vraiment à un service apporté à notre population. Est-ce que ça vient modifier les horaires d'ouverture au public ? Oui, il y a un après-midi supplémentaire ? Oui, elles arrivent à ouvrir plus longtemps, oui, pour pouvoir faire face à ça. Des remarques ? Des oppositions. Oui, c'est bien que ça marche, parce que moi, j'ai posé la question plusieurs fois au FI. Je dis, en fait, s'il vient du monde ou pas. Oui, monsieur le maire, rassurez-vous, on a du monde. Hein, et mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand même, bon, il y a une génération aujourd'hui qui se débrouille bien avec les aspects administratifs, mais il y en a d'autres qui sont un peu encombrés avec ça. Et, oui. Oui. Très bien. Il faudrait que... Il faut que la commission travaille là-dessus et puis qu'on nous donne un moment des éléments. Mais c'est un travail de commission pour ramener ça au niveau de la commission. Et puis, hein, Christine ? Hein ? D'accord. Mais on n'est pas à une année, mais on peut le faire avec, au 31 décembre malgré tout. Parce qu'on a ouvert qu'au mois d'avril, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on peut faire sur... au 31 décembre, ce serait bien de faire le point. C'est une bonne proposition. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à l'augmentation de cette ouverture et donc de ces horaires ? Merci. Il nous reste à vous présenter le droit de préemption urbain qui concerne rue des Tonneliers. Donc on doit être dans la ZAC du Malessard, si c'est la rue des Tonneliers. Une maison qui se vend. Avenue Cache-Bonhomme... C'est une division de terrain. Ça va me permettre de vous préciser que ce terrain qui se divise, c'est entre l'avenue Cache-Bonhomme et la rue des Garennes, avec la ZAC du Malessard derrière. Et on avait mis à notre PLU un emplacement réservé sur l'angle de ce terrain, tout ce qui est en blanc. Parce que le terrain, en fait, il avance jusqu'à l'angle ici, là. Et donc, on avait mis un emplacement réservé. Donc, la commune, à l'occasion de cette division... va acquérir cet angle pour sécuriser la circulation et la visibilité de ce qui se passe dans le secteur, parce que c'est un petit peu juste, parce que ça circule quand même pas mal dans la rue des Garennes, tout ce qui sort du Malessard, ça permettra de sécuriser les choses. Voilà. Oui, en plus, oui. Oui, mais là, justement, ça va, on verra mieux les choses, quoi. Avenue des Franchères. Après le cimetière, une maison qui s'est vendue, rue de la Futaie. Ok. Rue de l'Hôtel de Ville, 25 rue de l'Hôtel de Ville. Donc, je crois bien que c'est l'arrière-cour qui s'est revendue. Non, c'est pas ça ou c'est quoi, non ? Mais non, c'est parce que il suffit qu'il y a. Le commerce qui a dû se vendre et puis c'est toute la parcelle qui sort, mais je pense que c'est un truc comme ça. Ah non, non, je sais, oui. C'est Janine. C'est la maison avant. C'est la maison avant qui s'est vendue. Et voilà. Et rue de Bel Air, 15 rue de Bel Air, c'est une maison, ouais, c'est chez Guy Giraudino là-bas. Une maison qui se vend. Voilà. Vous avez aussi les concessions dans le cimetière qui vous sont données pour information.
Il nous reste à vous donner les programmes pour le début d'année 2023 des trois prochains conseils municipaux que l'on a fixés, parce qu'avec les votes du budget, on a quelques... Donc ce sera le 31 janvier, le 28 février et le 28 mars. Vous pouvez déjà commencer à remplir vos tablettes. Et puis bon, les différents éléments sur la commune, vous les avez... à l'Odyssée, vendredi soir, un nouveau spectacle à 20h30 au TMP. Non, c'est pas à l'Odyssée, c'est au TMP, il y aura l'Odyssée. Il y a une enquête sur la mobilité qui est en cours. N'hésitez pas à aller sur le site pour répondre. Ça s'arrête le 23 décembre, me signale Aurélie. Donc, vous avez encore toute la semaine prochaine pour répondre. Mais c'est intéressant d'y répondre. Et puis, on vous rappelle les vœux qui sera notre prochain rendez-vous après les fêtes de fin d'année, le vendredi 6 janvier à 19h au TMP. Et puis, quelques autres dates déjà. Les Codelis aux aînés. Oui. Vous savez qu'hier, il y avait le... Il y a samedi aussi. Il y avait le repas des aînés hier, où il y a un peu plus de 200 aînés qui se sont inscrits au repas. Mais il y en a autant qui se sont inscrits au colis. Oui. Alors, nous avons actuellement 212 colis, 212 personnes qui ont réservé leur colis. Et sur les 212, 60 ont demandé à être livrés. Donc il va falloir, si vous êtes certain, avoir une disponibilité samedi matin à partir de 9h. 60 colis, ce n'est pas énorme, mais on va refaire comme les années précédentes. 19, là, on avait 20 tournées l'année dernière, alors il y a plus de 19 parce qu'on a vu qu'il y avait certaines rues qui étaient très peu chargées en colis. Mais les 60 personnes qui ont demandé à être livrées, il est possible que vendredi soir, on en aura un peu plus, ou peut-être un peu moins, tout va dépendre comment les gens se seront déplacés vendredi. Voilà, on ne peut pas vous en dire plus en ce moment, mais il faudrait bien sûr qu'il y ait quelques personnes quand même qui se dévouent samedi matin pour aller distribuer ces colis. Une dizaine, quoi. Il faut voir, mais on ne va pas limiter maintenant. Si, Est-ce que tu as des inscrits par contre, ce que l'on peut faire, c'est que, comme on avait fait l'année dernière, vendredi soir, on peut envoyer un mail à chaque personne qui se sera inscrite pour dire, voilà, on n'a pas besoin, ou vous étiez sur telle tournée, il n'y a que deux colis, trois colis, etc. pour avoir. C'est vendredi soir qu'on saura exactement. Parce qu'à la différence de l'année dernière, on avait 400 des colis pour toutes les personnes de 75 ans et plus. Et on leur imposait, je dirais entre guillemets, c'était pas des gens qui s'étaient inscrits. Là, on a beaucoup de personnes chez qui on est allé l'année dernière, qui ne se sont pas inscrits au repas et qui ne se sont pas inscrits non plus pour les colis. Il y a des gens qui ne souhaitent pas avoir de colis. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Donc, vous pouvez retenir le chiffre. C'était 212 colis et 60 qui demandent d'être livrés à domicile. Sachant que samedi matin, il ne s'est pas inscrit sur le tableau, il y a aussi la plantation de Anne. C'est juste en dessous, je n'ai même pas vu, moi. Donc, c'est samedi matin aussi. On l'a dit avant, donc l'animation de Noël à la bibliothèque le 20 décembre, la préparation ou le commencement de la préparation à la journée citoyenne avec un appel public le 11 janvier, un spectacle à la bibliothèque lecture à voix haute le 13 janvier et donc la confirmation de ce qu'on vous a dit tout à l'heure, le conseil municipal le 31 janvier. Voilà les éléments d'information. Et notre conseil municipal est terminé. Donc je déclare clos ce conseil municipal. Ouais, non, mais...